Et bonjour à tous, c'est Sexand, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, puisque aujourd'hui sort enfin le portail de Gogeta Int et de Janemba, et donc je me suis dit j'allais faire quelques invocations, puisqu'au début je me suis dit bon ça sert à rien parce que j'ai pas de thunes, donc je vais pas pouvoir acheter Dragonstone de toute manière, et puis j'ai pas eu de quoi trop farmer, mais finalement le jeu nous en a donné, donc on a 80 Dragonstone, et donc c'est parti, et en plus les premières sont à 10, donc voilà. Sachant que j'ai déjà Omega Shenron, et que j'ai déjà Buhan, et que j'ai déjà Golden Freezer, en fait il manque juste le Trunks Ikari, et aussi qui ça qui me manque, donc le Trunks Ikari me manque, et lui mais on s'en fout, et lui il me le faudrait aussi pour ma team Pui, le Super Gogeta Pui, donc lui je m'en branle, et puis voilà. Donc vu qu'il n'y a que deux personnages que je veux, c'est les deux Gogeta, et que j'ai que 80 DS, hein. Je me suis dit que j'avais plutôt pull sur celui-là, parce que sur celui-là, t'as le Janemba qui vient de sortir, plus t'as le Super Gogeta, Gogeta Super Saiyan 4 qui est sorti il y a 2 mois, je crois, maintenant. C'était au mois d'août, il me semble. Hein. En tout cas, Janemba puis, hein, qui vient de sortir, donc en fait, sur cette bannière-là, je veux, ce serait bien que d'avoir, lui je l'ai déjà, lui je l'ai pas déjà, lui je l'ai pas déjà non plus, donc voilà, lui on s'en fout. Donc il y a beaucoup plus de personnages qui m'intéressent sur cette bannière là, donc on va pull là dessus, je pense, voilà. Voilà, donc c'est parti, hein, on va faire première multi-invocation avec 3 persos. Ok, ça tend sur la gauche, c'est très bien. Relâche normal, il se transforme pas. Alors un bye guy s'il te plaît. Eh ben non, donc ça va être de la merde. Un Frost, un Cell et un Oob. Génial. Génial. J'adore cette vidéo déjà. Hop, et c'est reparti. Donc cette fois-ci, il y en a 5, je crois. 2. Ok. SJ1, SJ2 donc. Et SJ3. SSR garantie, s'il te plaît, un de la bannière que je n'ai pas. Un de Gogeta Super Saiyan 4, ce serait bien. 2. Ah, un Janemba. Lequel? Le Int. Et ben en fait, je sais même pas si c'est celui-là. Non, le nouveau, c'est le puits. Donc, Janemba Int que je n'avais pas d'avant. Donc, je suis très content. Même si c'était le puits que j'aurais voulu, évidemment. Puisque j'ai Broly LR, donc ça m'aurait bien arrangé. Puisqu'il paraît que la combinaison des deux est monstrueuse. Mais bon, on va pas s'en plaindre. C'est toujours ça de prix. Et maintenant, 40 Dragonstone pour 10 personnages normalement. Et un Shenron. S'il te plaît, donne-moi du lourd. S'il te plaît, donne-moi du lourd. Et en plus, il y a la multi gratuite juste après, normalement. Et SJ1, SJ2. Pas de SJ3, mais je m'en fous, j'ai eu Shenron juste avant. Et ben on commence directement avec le nouveau Janemba Pui. Voilà, donc j'en ai un sur les deux. Et ça, c'est très très bien. Si dans la même multi, tu me donnes Gogeta Super Saiyan 4, s'il te plaît, je serai aux anges. Voilà, ça commence bien. Là, je suis très content. Puisque, vu que, comme je l'ai dit, j'ai brûlé à l'air et que ça, ils vont très très bien ensemble. Ouais. Ouais. Il y a la musique assez barrée tellement c'est devenu épique. Ouais. Ouais, bon, qu'un seul SSR, mais bon. Ouais, donc lui que je m'en foutais. Ah non, j'allais dire c'est fini, mais non. Oh, 2 fois de suite. Et oh. Et donc je l'avais déjà en doublon d'ailleurs, donc c'est mon 3ème, donc il n'est pas encore 100%, mais 75% du coup. C'est toujours ça de prix, hein, puisque c'est quand même un bon perso, même si maintenant il est dépassé. Mais pour la team Int, ça fait toujours plaisir, voilà. Et je crois que c'était le dernier. C'est exa. Donc, on va s'empresser de le lock. Voilà, c'est très bien. Et puis voilà, maintenant multi-invocation gratuite. Donc, j'espère avoir Gogeta SSJ4 ou pourquoi pas un petit doublon du Janemba, pourquoi pas. Voilà. Bon, chance à moi. Oui, c'est bon, j'ai trop de personnages. C'est pas grave. C'est pas grave. Et après, on fera la première multi-invocation des 3 personnages sur l'autre bannière.
pouvoir, si jamais, relâcher Rainbow. On a eu 4 capsules. SSJ1. SSJ2. Ok, donc là, non, pas de CSA garanti. Un Guldo, je m'en fous. Une Chichi, je m'en fous. Une Videl, je m'en fous. Encore un Guldo, je m'en fous. Donc encore le Janemba. Bon, après, ça va permettre d'augmenter mon Janemba, je pense. L'attaque SP. Darbon. Allez, donne-moi au moins un SSR dans cette multi-là, s'il te plaît. Ne me donne pas une multi gratuite pour rien. Oh putain, t'es sérieux. N'importe quoi, quoi. Et ça retourne à 50 direct ensuite, quoi. Ok. Donc là, c'est vraiment plus de cadeaux à partir de là. Donc, on va faire la petite multi-invocation. Si j'ai le Super Gogeta Int, je fais. Je sais pas quoi, mais je fais. Sans doute, ça sera un yes. Mais voilà. Relâcher Rainbow, il n'y a rien eu. Il se transforme. SSJ1, SSJ2. Pas de SSJ3, pas de SSR garanti. Un Piccolo. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 personnages dans cette multi invocation. Un Freezer deuxième forme. Et un Trunks petit. C'était très très déception pour cette multi-invocation là. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, j'ai encore des Dragon Stone qui vont m'être offerts demain. Donc je vais peut-être pouvoir compléter cette session là. Et puis on verra bien. Je mettrai des screens sur mon Twitter de ce que j'ai loot demain. De ce que j'aurai loot demain. J'essaie aussi de farmer Dragon Stone parce que je sais que je peux en farmer au moins une 50aine. Voilà, et puis là, donc j'ai pas les tickets, mais par contre j'ai les tickets ici, donc on peut se tenter des trucs à l'aveugle, ou est-ce que je ferme jusqu'à en avoir 5? Je ne sais pas. Bon allez, bon, c'est pour le show de la vidéo. C'est pour le show de la vidéo, c'est pas grave si je gaspille. Voilà, je suis normal. Je meurs, c'est une single, donc j'ai vraiment aucun espoir particulier de SSR garanti. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouah, un Ginyu. Et c'est reparti donc pour un nouveau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six capsules, pas sept. Six, il se transforme directement, mais relâché normal. SSJ1 donc. Et c'est tout. Ah, là, ça sent le bad guys. Oh putain, mais ça fait un Gecko. Ça fait très très longtemps que j'ai pas eu un bad guys. Alors que là, il y avait toutes les conditions réunies. Il y avait 6 capsules. Et il me semble le relâcher. Non, relâcher normal ou relâcher Rainbow. Mais il s'est transformé direct juste après. 6 capsules, transformation directe. Et que SSJ1, pas SSJ2 et pas de bad guys. Ouais, je suis dégoûté. Et donc, il reste plus que sur cette deuxième bannière. Si j'ai Gogeta 4 ou Kula, parce que Kula, apparemment, il est très bien aussi. 3 capsules, relâché normal. Il se transforme. SSJ1 et SSJ2. Pas de SSJ3, pas de SSR garanti. Mais est-ce qu'il y a un SSR surprise quand même? Eh bien, non. C'est un Tenshinhan. SR. Hop, et c'est parti. Dernière invocation de la vidéo, du coup. Un Shenron sur une single. S'il me remet le Jamba, puis je suis aux anges. En tout cas, ouais, j'ai eu les deux Jamba, en fait. J'ai même pas réalisé sur le coup, mais ouais, j'ai eu les deux Jamba. Mais s'il te plaît, Gogeta, Super Saiyan 4. SSJ2. En plus, j'ai eu Rush Rainbow. Gogeta, s'il te plaît. Ah, putain. Eh bien, je ne l'avais pas non plus, de toute manière. Mais, voilà. Je veux dire, j'avais tout. C'est le seul Shenron Omega ou Shin Shenron que j'avais pas. Voilà, voilà. Bon, je suis quand même content parce que, voilà, j'ai eu un SSR sur une single. C'est cool, je le lock tout de suite. En plus, je ne l'avais pas. Donc, voilà, hein, petit à petit, je récupère les cartes must-have, en quelque sorte, que je n'avais pas avant. Donc voilà, on peut aller faire un petit tour du coup dans la liste des persos pour voir tout ce que j'ai eu
Si je les classe, ben d'ailleurs, voilà, je vous mentais pas, hein, j'ai bien Broly et l'air que j'ai monté l'attaque spé au maximum, et puis voilà, qui est level max, enfin qui est tout prêt. Évidemment, je n'ai pas de doublon, je n'ai pas le cul du bord des nouilles autant que ça. Et mais voilà, et puis j'ai droppé lui aussi il n'y a pas très longtemps, au pif, en random en plus, je sais même plus c'était sur quelle invocation, c'était sur le truc des classes, je crois, ou je sais plus quoi, enfin c'était vraiment pas du tout sur la bannière où il était apparu avant, c'est je l'ai chopé la semaine dernière celui-là, je crois. Voilà. Et donc voilà, comme quoi je l'avais déjà. Là, il n'est que niveau 80 sur 100. Mais voilà. Et j'avais déjà un doublon. Je crois d'ailleurs que j'avais récupéré le deux fois dans la même multi. La première fois où je l'avais eu. Et puis voilà. En tout cas, hop, on y va par date. Date, c'est là. Et donc, on peut voir tout ce que j'ai eu. Dont le Janemba. Super Janemba, puis. Donc là, j'attends que ça boucle parce que j'ai loupé le truc. Plus de PV, attaque et défense, plus 100% pour le type extrême, puis PV, attaque et défense, plus 40% pour le type super, puis inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Évidemment. Oh, il y a vitesse époustouflante, ça c'est très bien. Pour un pas Saiyan. Attaque plus 70%, garde activée contre toutes les attaques et possibilités d'éviter certaines d'entre elles, attaque spéciale incluse. Donc c'est vraiment pas mal, même s'il n'y a pas de bonus de défense. Mais il y a quand même attaque plus 70%. Et puis après, là c'est le stade de base que je l'ai là maintenant, mais une fois qu'il sera éveillé, il fera des trous, je pense. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter pour voir mes invocations que je ferai demain si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai reçu à ce moment-là. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, et puis à plus pour d'autres vidéos. Et puis voilà, sur ce, je me casse. Je fais quand même un petit peu le tour, hein, pour voir si j'ai pas oublié des trucs à faire. Mais normalement, non. On peut même peut-être se lancer une invocation amie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, vous voyez, je suis à 4, plus 99 partout. Donc là, j'ai pas de... non. Hop, allez, une petite multi-invocation amie, ça fait très longtemps, on va récolter de la merde de toute manière. 3, relâche normal, transformation. S'il me fait un SSR garanti sur cette multi, je pète un câble. C'est J2. Ok. Ça fait toujours son prix. Ok. Ok, Mr. Satan. Ok, Mr. Satan again. Ok. Bref, ah, j'ai quand même gagné un truc, ok. Et bien sur ce, je vais farmer sur Dokkan Battle pour récupérer des Dragonstone pour finir la boucle, donc comme je l'avais dit. Et puis voilà, donc sur ce, prenez soin de vous, comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye.